garder le bienvenu avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous l'a pardonné. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec ses louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité est de génération en génération. Amen. Amen. Dans chapitre 9, verset 2, mais jusqu'au verset 8, Jésus était dans une situation très difficile. Là, il voulait recevoir l'appui de Dieu. Et autant, les disciples étaient avec Jésus. Est-ce que les disciples allaient voir, allaient vivre ces des moments heureux et bénis dans leur vie? Il a dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il lui transfigurait devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une toile blanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit correctement? Moi, les écritures ne marchent pas trop bien pour moi. Fais-moi un peu de tâche. Verset 2 à 6. Non, une partie. Ses vêtements devinrent resplendissants et de telle blancheur qu'il n'est pas de coulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Oui. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire, les 3 les ayant saisis. Moi, cet après-midi, frères et sœurs, je vous considère par ces 3 personnages. Moïse, Élie et Jésus. Cette situation était une situation tragique pour Jésus, mais pour les disciples, c'était une gloire. Après la mort de Moïse, quelques années après la mort de Moïse et Élie, ils ont eu le privilège de voir Moïse, de voir Jésus, de voir Élie, Jésus au milieu de Moïse et Élie. Avec des roses blanches, vous savez, la signification de les robes blanches, vêtements blanches, c'est la pureté du cœur. Donc, vous êtes ici. Dieu a déjà mis sur vous cette robe blanche qui représente la pureté. Donc, moi, je vous considère présentement comme Moïse, Élie et Jésus est venu. Ne soyez pas peur. Ne soyez pas craint. Par le Seigneur est avec. Pendant le trimestre, on étudie l'alliance, on parle d'alliance dans le questionnaire, et je trouve que cet après-midi, un peu ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est en quelque sorte une alliance que vous avez, n'est-ce pas? On parle d'alliance. Souvent, on parle de mariage, on parle d'engagement, ce sont des mots qui nous ouvrent. Alors,
pour dire publiquement, vous l'avez fait ce matin, vous l'avez présenté. Vous avez présenté. Bon, on va dire que le public va t'attendre, c'est eux qui vont rester un peu debout, comme dans un tribunal. Mais c'est un tribunal où ils sont déjà considérés comme innocents. Donc c'est bon de ce temps-là. Donc, oui, c'est ça, c'est un mariage. Aujourd'hui, c'est votre mariage, vous savez. Des fois, on parle de l'anniversaire du mariage, du baptême, ou de naissance, n'est-ce pas? Pour vous, c'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. C'est un mariage que vous allez faire avec le Seigneur. Et dans le mariage de l'Église, on parle de langage, un autre terme, qui veut dire la même chose. L'engagement du baptême. Voilà. À ces questions auxquelles vous allez répondre oui. Un oui que tout le monde devra entendre, n'est-ce pas? C'est comme je vous dis, c'est comme un ami. Je vous pose la question suivante. Il y a 13 questions. Je commence par la première. Croyez-vous en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de trois personnes également éternelles? Oui. Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés et croyez-vous que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de sa conséquence? Oui. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et croyez-vous que Dieu, en Christ, a pardonné vos péchés? Et vous a donné un cœur nouveau et renoncez-vous au mauvais chemin de ce monde. Oui. Acceptez-vous par la foi la justice de Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste, et croyez-vous en sa promesse de vous donner la grâce qui transforme et la capacité de vivre une vie croyez-vous que la Bible et la parole est scriptée? Vous engagez-vous à étudier la Bible? Oui. Précieux divin et une révélation de sa volonté. Avez-vous l'intention, par la puissance du Christ qui demeure en vous, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui requiert l'observance du septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création? Oui. Acceptez-vous le prochain retour de Jésus, la généreuse espérance, où ce qui est mortel revêtira l'immortalité? En vous préparant à rencontrer le Seigneur, voulez-vous témoigner de la bonté de son salut en utilisant vos talents pour amener à lui des êtres humains afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse? Oui. Acceptez-vous l'enseignement biblique des dons spirituels? Et croyez-vous que le don de prophétie est l'une des marques distinctives de l'Église du reste? Oui. Croyez-vous à la nécessité d'une Église organisée? Avez-vous l'intention de rendre culte à Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Oui. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Honorerez-vous Dieu en en prenant soin, évitant l'usage de ce qui est néfaste et vous abstenant de toute nourriture impure, de l'usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de l'usage ou la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine ou du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d'autres drogues? Oui. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux qui sont enseignés par l'Église adventiste du septième jour? Avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir la volonté en mettant votre vie en harmonie avec cette principe? Oui. Acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion, le baptême que nous allons avoir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le baptême par immersion? On sait qu'il y a des gens qui envoient un petit peu d'eau sur un bébé, nous on ne fait pas ça.
du baptême par immersion de tout le monde. Hein? Donc, le baptême par immersion, et désirez-vous recevoir le baptême pour exprimer publiquement votre foi, comme j'ai dit, et dans son pardon de vos péchés? Oui. Et la dernière question, acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du septième jour est l'Église du reste de la prophétie biblique où sont invités et acceptés des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue? Désirez-vous devenir membre de cette communauté locale de l'Église mondiale? Oui. Vous avez entendu leur réponse, pasteur Esther? Ils ont répondu par l'affirmative. Donc, nous pensons qu'ils sont prêts pour recevoir le baptême, l'engagement avec nous. Amen. Amen. On va procéder à la prière. On va demander. Alors, je ne sais pas si Pasteur Esther nous dit quelque chose avant. Oui, ce qu'on va faire, on dit, c'est comme ça l'Église Adventiste pour faire, parce qu'on a des amis, des visiteurs qui sont là. Nous sommes contents qu'ils sont là. On a les frères de Raymond qui est là, bienvenue. On a son beau-frère qui est là, bienvenue. Le mari de Miracène qui est là, bienvenue. Et bienvenue à nos frères et sœurs de Bethesda et toute la communauté de Bethanie, bienvenue. Alors, ce que nous allons faire, nous allons former un cercle. On ne peut pas toucher à cause de bon, vous connaissez, mais les candidats, on les met au milieu. Nous, on est autour des candidats. Et nous allons prier, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Alors, je demanderai au président Jacques, au président pasteur Soufan. Alors, on met les candidats au milieu. Raymond, au milieu. On va chanter avec ce... On va appeler le Saint-Esprit. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, au numéro 131. On va demander à le président des diacres et le premier le directeur du ministère personnel. On va faire deux coups de prière. On ne va pas les garder trop. On va faire deux coups de prière. Le président des diacres, le directeur du ministère personnel, c'est deux personnes pour prier. Par la suite, moi, je ferai la dernière prière. Juste un couplet. On se met à genoux, on est autour de vous. Et puis, disons que vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, priez dans votre cœur. Pour ces âmes qui se donnent au Seigneur. Père, Père et Cieux, Père de gloire, Père Saint. Je vous remercie, Seigneur, d'avoir deux choses qu'il y a, Seigneur, que nous avons
trois candidats au baptême. Seigneur, vous devez faire ça que vous-même vous demandez nous à faire ce service. Montez, nous disons que nous sommes capables de prêcher l'évangile, nous sommes capables de gagner des âmes pour nous-mêmes. Mais nous connaissons le Saint-Esprit va faire les restes. Seigneur, nous vous remercions encore une fois. Son grand jour, et son jour béni, et son jour sanctifié. Son jeu qu'on met à part, Seigneur, pour chaque petite famille. Et toi, mon salut, Seigneur, pour la décision, aujourd'hui même pour se faire baptiser, eh bien, nous prenons au nom de Jésus, qui va rester jusqu'à la fin, jusqu'à son jour. Car notre Dieu, à chaque visiteur, visiteuse qu'il a parmi nous, demande au Seigneur, pour capable d'aider le Christ. Papa, chacun de nous déjà reçoit les baptêmes pour servir en esprit et en vérité. Seigneur, nous devons rester, Seigneur, jusqu'à notre dernière. Nous vous remercions. Commando encore déjà. La bénédiction soit tombée sur chaque personne pour faire plonger dans l'eau. Mais ce n'est pas plonger dans l'eau pour retourner. Faire n'importe quoi, mais c'est pour être capable au service de vous-même, Seigneur. Non par rapport au service de vous-même, mais c'est pour être capable de voir honneur pour une semaine. Papa, nous te remercions. Et grâce à vous-même, continuez à prêcher les gens, prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on va faire des hommes et des femmes entre eux pour vous servir. Prêcher aussi. Faire des autres capables d'entrer et de servir par l'esprit. Mais pour capable de vivre, on va trouver la bénédiction du chat et on va remporter la couronne. Si je pardonne, nous t'apprions dans le nom de Jésus-Christ qui dit, qui règne au siècle des siècles. Tendre Père Céleste, mille fois merci pour la joie que tu procures à tes enfants, car nous savons tout d'abord que le ciel est en fête, qu'il y a des anges qui sourient et que toi-même sur ton trône, tu souris, Seigneur, en voyant l'engagement de tes enfants qui sont prêts à passer de la mort à la vie, à passer par une résurrection, Seigneur, car ce baptême est un symbole de mort à notre ancienne vie et à une résurrection, à une vie nouvelle. Nous avons trois nouvelles créatures cet après-midi. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Amen. Et lorsque tu fais quelque chose, lorsque ta parole vient, elle ne revient pas à toi sans effet. Amen. Et nous avons l'effet de ta parole cet après-midi. Et que ces enfants, Seigneur, puissent amener d'autres âmes à toi, afin que la joie dans le ciel ne puisse qu'augmenter de jour en jour et que la joie de ton Église, car nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Et le diable sait et il est fâché, mais il a perdu. Et maintenant, Seigneur, que ces âmes soient fortifiées de jour en jour, car le combat ne vient que commencer. Mais nous sommes dans le camp des victorieux. Amen. Nous sommes ton peuple, tu l'as dit, et les portes que tu ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Tu as ouvert la porte, gloire soit à ton nom. Et au nom de Jésus, amen, cette porte restera ouverte jusqu'à temps qu'on entre dans cette porte, dans la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ, cette promesse est véritable et certaine. Amen. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Amen. Dans les combats, nous ne céderons jamais. Car avec Dieu, nous avons déjà la victoire. Amen. Seigneur, merci pour cette victoire que tu as, pour la vie de Miracienne, pour la vie de Raymond, pour la vie de Frito. Tandis qu'en ce moment, ils sont en train de sceller leur alliance avec toi. Alliance de paix, d'amour, de pardon, de sécurité, alliance de la vie. Alors, papa, nous te les recommandons. Nous sommes dignes d'être en ta présence, eux aussi.
Mais en ce moment, nous voulons que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous pardonnes parce que nous avons péché devant toi par pensée, par parole, par action. Mais Seigneur, nous nous humilions en ce moment avec tes enfants pour te demander pardon, 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 pardon. Et merci pour ton pardon par Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous. Ta parole dit dans deux ou trois, ça sort dans ton nom, tu es là au milieu de nous. Alors tu es au milieu de nous, nous savons que tu es déjà descendu en ce moment dans ce lieu pour bénir tes enfants, pour bénir Miracel, pour bénir Raymond, pour bénir Frito, parce qu'ils sont en train de sceller leur alliance avec toi. Et cette alliance n'est pas une alliance temporaire, mais c'est une alliance éternelle. Et que cette alliance puisse être soudée par toi jusque dans l'éternité quand tu reviendras dans ta gloire. Oh Seigneur, ça fait longtemps, parfois ils ont entendu parler de toi. Mais Seigneur, le temps n'était pas encore arrivé. Mais Seigneur, tu leur as fait grâce avant de mourir. Ils ont scellé leur alliance avec toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici et demain, on ne sait pas ce qui peut se passer et à l'instant même. Mais Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que les anges sont en fête. L'armée céleste est en fête. La Trinité est en fête parce qu'ils sont présents devant avec nous. Alors, vous voyez que ces âmes que l'ennemi a voulu arracher. Mais Seigneur, tu les as sauvés de la griffe de l'ennemi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Et nous disons, notre âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en nous bénisse l'Éternel. Notre âme bénit l'Éternel. Et nous n'oublions que le Seigneur fait. Car c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes nos maladies. Nous bénit l'Éternel. Amen. Et dans le psaume 91, il a dit, celui qui demeure sur la vie repose à l'ombre. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma porte. Mon Dieu, en qui je me confie. Amen. Alors, Seigneur, nous les remettons sur tes mains. En ce moment, Seigneur, si vous êtes dans vos lacs, qui ont grâce de maladie, grâce de cancer, grâce de diabète, grâce de tension, COVID, toute réaction, au nom de Jésus, nous condamnons. Et nous voyons sans Jésus, nous verrons. Nous voyons sans Jésus, nous tous seuls là. Et que Seigneur, nous-mêmes qui vivons là pour nous assister à l'événement ça, nous capables de guérir et nous capables de bénir. Amen. Bénir famille, délivrer famille. Si que nos familles pour qu'on fasse la paix avec nous-mêmes. Puisque il y a un témoignage vivant ça, Seigneur, capable de toucher cœur, tout, puis capable de faire partie du royaume, ça parce qu'on prépare un gros fête pour nous. Et son gros fête que c'est là ouvert à tout le monde. Que à garçon, à femme, à tout le monde, à comment tout le monde bienvenu. Mais permet que nous capables d'être intelligents pour nous accepter dans la vie nous et que Seigneur nous capables de recevoir bénédiction. Que le Dieu de paix qui nous a unis présentement continue de nous faire grâce, de faire grâce à ces trois âmes qui se sont données à lui. Et que Seigneur, si vous bagayez dans ça là, si vous êtes dit non, nous, si vous bagayez qui a fait le baptême, c'est qu'on va contrarier. Nous prenons, nous carbonisons, nous coulons, nous crassons, nous brisons et nous jetons dans la vie. Oh non, nous déclarons sans Jésus. Pourquoi contrôler la vie, pourquoi contrôler la vie, nous, et que Seigneur, tout le bagage qui va passer en bien dans nos chers, nous prions, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec ici de ma volonté, je dis au ciel des airs sur cette terre. En attendant sa glorieuse gloire, je suis gardé par lui de jour en jour. Merci. Jour après jour, me rend victorieux.
jour après jour à la vie de ton aile. Quel heureux poète, il éternel, je t'apportais au sauveur pour nos jours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est pas de notre, il me soulage. Il n'est le plan qui me dégue ta vie. Il n'est le mot qui ne puisse perdre. Jour après jour, dans les pas de la foule. Jour après jour à la vie de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. On continue avec le numéro 224. Quel que je suis, rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta foi qui m'appelle à toi, Dieu. De Dieu, je viens, je viens. Quel que je suis, viens voir si on croit au doux à chaque instant. Changer sauveur agneau de Dieu, je viens, je et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Je suis d'amour. Pardonne sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je Thank you.
Sœur Raymond Henry, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Mon cher Frito, lui, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 De la victoire déjà mis aux cieux, la couronne de la gloire paraît par les cieux. Venez combattre encore du Jésus à vous. Engagé, pour aller avec le Seigneur, c'est le temps de le faire.
Nous, à quoi on a passé, on mourit. Kidnapping en Haïti, on a mouru. Trop de monde de terre et volcans passés dans ces vaisseaux. On va que bagaille privé, nous voyons que nous sommes vraiment à l'époque. Jésus revient très bientôt. Tout le monde a voué, tout le monde a dit en moi, bon bagaille qui pas marché parce que terre n'a pas même chanté. Alors pour qui ça va attendre? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour donner ta vie à Jésus? Parce que Jésus revient très bientôt. Il a un plan pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il a un plan pour chacun de nous. Qui ça l'attend? C'est le temps de sceller votre alliance avec le Seigneur. Si nous ne pouvons pas engager Kounia, mais nous avons des gens dans l'éther public, qui là qui pourra étudier avec nous parce que nous avons une prochaine cérémonie de baptême en octobre. Alors, il n'y a pas trop de temps pour faire la paix avec mon Dieu. Nous allons chanter et on chanter que je suis. Et puis par la suite, nous allons prier. Alors, si pendant ça, peut-être pas où tu es prêt à prendre engagement avec le Seigneur, il est encore temps de le faire. Père, je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Papa, nous qui nous sommes là, nous vous remercions parce que tout va bien passer sur ta vie de protection. Nous vous remercions pour ces âmes qui se sont données à toi. Merci pour le serment qui a été fait par la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors nous demandons à papa bénir, à protéger nos noms, à protéger Pio, que papa marche toujours avec nous, que papa parle de victoire en victoire. Alors tout le monde qui a résisté, Seigneur, permet qu'on va ouvrir pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que pas guette encore, parce que Jésus revient très bientôt. La porte de la grâce est encore ouverte. Alors, Seigneur, va ouvert, ou attendre petit tout pour vous faire la paix avec vous-même. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci d'être au dégât, nous te protéger, nous. Merci pour tes enfants. Bientôt, nous allons nous faire photo. Et par la suite, pour nous aller dans le demeure respective, que le Dieu de paix qui nous a unis ensemble continue de nous faire grâce, continue de nous protéger, continue de nous augmenter la foi, même dans l'adversité. Et qui nous accorde sa paix, sa grâce, son pardon, son amour, sa guérison. Et que le nom de chacun de nous et nos familles, nos amis, soit inscrit dans le livre de vie quand tu connaîtras dans ta gloire. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la puissance de Jésus, nous te disons gloire et merci. Et depuis demain, au cercle des cieux. Amen. Amen. On peut pas signer le signal de la victoire déjà pris au ciel. La couronne de la pauvre part est à nos yeux. Je vais combattre encore si Jésus a Bye.
57 n'est pas loin. Ouais, c'est ça. Poursuivons. C'est ça, je laisse tomber 355 parce que c'est un petit peu pas loin. OK. En 357, poursuivons notre course. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici bas notre avenant comme déjà parraine. Pour sublime espérance, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. C'est la route parfois est ardue et sévère. Supportons vaillamment, fatigués et douloureux. Dans le chemin des cieux, doit passer au calvaire. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Il viendra pour nous la fin de la carrière, si l'on peut de la envelant que nos cœurs s'élevons encore l'éternel lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le Quelle version? Il y a deux versions. Non, ça va être une version. C'est ça. Ok, c'est nous. Désarmons le courroux
il nous appelle au rendez-vous. Ainsi, le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Garde ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Nom béni, ton trop puissant. Quand à mon père m'adressant, il répond à mon cri pressant par le bon nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom viendra l'on solennel où nous te voir à ton appel, dira sur terre et dans le ciel, précieux le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton sein et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je ton autel au fond de volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivra que par toi, que pour toi. Tout ce que je suis, prends mon corps et mon âme et tout mon être te soit livré. Entonné par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole ténétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi.
je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivra que par toi, que pour toi. Seigneur, jour à jour, transforme ton image, ton enfant, ton aimé, racheté. Ne t'en que plus, et jusqu'au bout du voyage, faire ta volonté. Je viens à ton hôtel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je désormais que ta gloire, ô mon Père, lieu vivre, que par toi, que pour toi. Seigneur de jour à jour, transforme ton image ton heureux racheté. Devant moi n'était plus jusqu'au bout du voyage qu'on était faire ta volonté. Je viens à ton hôtel offrant de volontaire librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que la gloire pour ma terre ne vive pas. Ben, parce que mon nez est couvert. Fait que là, à force de chanter, c'est comme. Je ferme ma voix, genre. Normal, ils sont malades? Non, 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 pas malade. Juste que ma voix perd sa force. Ben, c'est comme si je. Ce serait bien que j'enlève. Bon, là, ça fait tout. Auquel repos
Ô Jésus, me tiens. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, tout. Et vous réchauffez qu'une menace qui présage plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouverneur demande seul auquel repos, ô Jésus, le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, tout. Jour après jour, nos beaux orages, nouveaux périls de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre mon sauveur, le gouverneur de Manassel, auquel repos, ô Jésus, me tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, pour Jésus. Avec Jésus, pour mon pilote, pour moi, tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte jusqu'à la barre, mon sauveur. Le gouverneur de ma nacelle, auquel repos, ô Jésus, si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, tout est bien. Le gouverneur de Manassel, auquel repos, ô Jésus, le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oh oui, tout est bien. Avec Jésus, oh oui, tout. Amen. Alors, nous vous disons merci avant de prendre la photo.
je demanderai à Frère Congar de faire la bénédiction pour nous. Parce que Frère Congar a travaillé très dur, très fort avec les candidats. C'est un homme vraiment... Alléluia. Alléluia. Il a travaillé très fort pour que vous soyez là aujourd'hui. Alors, nous disons merci à Dieu pour faire Congar. Parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Alors, nous avons besoin de Congar parmi nous. Amen. Pour pouvoir partager la parole. OK, alors, nous allons prier. Alors, se mettre debout et on va avoir la bénédiction avec Frère Congar. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Seigneur, bien-aimé, les mots nous manquent, en fait, bien-aimé, pour te remercier. C'est poussé par ton Esprit Saint, bien sûr. Nous ne parlons pas du Congo, on parle du Congo, c'est vrai. Mais je ne vais pas me laisser monter, c'est sûr que, au contraire, c'est toi. Ce n'est pas Congo, je ne suis rien, absolument rien. Ce qui est arrivé, ce qui est fait aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est poussé par ton Esprit Saint. On est comme un stylo entre tes mains. On est comme un outil entre tes mains. Tu nous utilises comme bon te semble, Seigneur. Qui est moi pour travailler pour toi? Car Satan est là, d'arrache-pied. C'est grâce à toi qui m'environne, qui nous environne, non? Par ta grâce infinie, tu nous as donné la santé. Satan cherche. Il tourne autour de nous. Il veut nous dévorer à tout prix. Mais grâce soit rendue à toi. On a les âmes aujourd'hui. C'est le seul ciel qui est en fait. Mais nous savons que tu récompenses. C'est normal de te demander une récompense. Tu vas vous récompenser. Tu vas récompenser Pasteur Esther. Tu vas récompenser Frère Jean-Michel. Tu vas récompenser Bethany. Tu vas récompenser ton peuple, Seigneur Dieu. Nous savons que tu nous aimes dans l'amour éternel. Ce que nous te demandons comme récompense, c'est de nous laisser attachés à toi. Nous voulons être attachés à toi. Ressembler avec Jésus, être bien aimé devant tes yeux, être l'homme selon ton cœur. Nous aimons quand tu es là. Dans ta présence, il y a le bonheur. Dans ta présence, il y a la délivrance, hein, Seigneur Dieu. Père, voici, maintenant, ce ne sont plus des candidats, ce sont des néophytes. Encore, nous te rendons gloire, honneur, exaltation, toi seul mérité. Que tu marches devant Sœur Raymond, que tu marches devant Frère Fito, que tu marches devant Sœur Miracel pour enlever les obstacles sur leur chemin. Nous savons pertinemment qu'ils vont rencontrer des obstacles, mais au nom de Jésus, la victoire nous est assurée. Seigneur, béni soit ton nom, exalté soit ton nom, loué soit ton nom, adoré soit ton nom pour ce privilège. En octobre ou en septembre, nous avons encore un autre rendez-vous, Seigneur. S'il te plaît, amène-nous plein nos bras, envie d'annoncer ta bonne nouvelle, envie de prêcher pour toi, Seigneur. Nous voulons avoir des études bibliques. Nous sommes prêts à donner des études bibliques. Nous réclamons ta présence. Que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous influence, que ton Esprit Saint nous dit de quoi faire et quoi ne pas faire, Seigneur Dieu. S'il te plaît, enlève les obstacles, tout est interdit, toutes sortes de divisions, toutes sortes de problèmes au milieu de nous. De Béthanie est une. Béthanie n'est pas des églises, c'est une église. Nous te demandons, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit de Jésus, que nous unions comme le Père, le Fils et l'Esprit sont unis, Seigneur Dieu. S'il te plaît, sois avec nous, sois avec ce monde. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Seigneur. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es auprès d'elle. Ne teste pas toi. On parlerait d'elle au passé. On ne teste pas toi. Elle serait déjà dans la demeure du silence. Grâce à Dieu à toi. Elle est encore vivante. Vivante. Elle a la vie. La vie en abondance. En Jésus-Christ. Mon fils bénévé, Seigneur. Que tu bénisses son frère plutôt. Que tu bénisses son celui Racine. Celui Racine a besoin de toi. Il reste son mari. Il est là. Mais très bientôt, il va prendre la famille de décision, la dernière décision de marcher avec toi pour l'éternité, pour l'éternité. Sois avec chacun de nous. Venez-nous, sauvez-nous, assistez-nous au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne, de siècle en siècle et de l'éternité en l'éternité. Amen. 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 Le signal de la victoire des amis aux cieux. Père souveraine de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.
Amen. Bon. Pour ceux qui nous écoutent via Zoom, ceci met fin à la cérémonie de baptême. Que le Seigneur vous garde. Sachez que c'est enregistré, donc peut-être ce soir ou demain, je vous l'envoie. On mettra ça sur Facebook et YouTube. Donc, merci, frère Jean-Michel. Pour ma part, merci. Je vous souhaite une merveilleuse fin de sabbat. Soyez dans la joie parce que le ciel est dans la joie. Nous c'est sommes dans fait. La joie et je souhaite que vous soyez dans la joie dans vos demeures car il y a raison de célébrer. Que le merci, mes compliments, mes compliments. Bienvenue, bienvenue. Merci, Jean-Michel. Bienvenue, bye. Bienvenue. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Bienvenue, bienvenue.